Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, de nouveaux pays ont adhéré à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme le jeudi 11 janvier 2024 au cours d'une réunion du conseil d'administration de cette institution à son siège à Jacqueville. La billetterie de la Cannes 2023 suscite la grogne en Côte d'Ivoire. Face au décalage entre les affluences attendues et la réalité des tribunes clairsemées, le Premier ministre annonce des mesures. Et le Sénégal a assumé son statut de favori en battant la Gambie 3-0 avec un doublé du jeune Lamine Camara le lundi 15 janvier à Yamoussoukro. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacqueville a de nouveaux membres dans son conseil d'administration. Le jeudi 11 janvier 2024, à l'issue de la deuxième réunion de ce conseil, le ministre d'État, ministre de la Défense, Tene Birahima Ouattara, en a fait l'annonce. Le deuxième conseil de l'Académie internationale de la lutte contre le terrorisme, cette académie qui a été la volonté des pays, la France et la Côte d'Ivoire, mais qui a créé l'engouement, en quelque sorte, si je peux m'exprimer ainsi, comme vous avez pu le constater, de nombreux pays adhèrent à cette académie au jour d'aujourd'hui. L'académie a gagné en taille, à travers donc les membres. L'année dernière, nous étions 11 membres des organisations internationales. Cette année, nous sommes 17 membres. Tene Birahima Ouattara a également livré quelques informations sur le contenu des échanges entre les participants à ce conseil d'administration. Les discussions ont tourné autour de plusieurs points, entre autres le point financier, le programme d'activité, mais aussi l'avenir de l'institution. Le ministre de la Défense a indiqué que les membres du conseil d'administration ont convenu que l'Académie aille plus loin que ce qui a été fait jusque-là. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme a ouvert ses portes courant juin 2021. Sa création a été décidée conjointement par les présidents Emmanuel Macron et Alassane Ouattara. Implantée à Jacqueville, cité balnéaire située à moins d'une centaine de kilomètres d'Abidjan dans le sud du pays, c'est un centre qui forme des unités d'intervention spéciales et cadre pour lutter contre l'extrémisme violent. L'accès au stade pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en raison des difficultés constatées au niveau de la billetterie fait des mécontents parmi les supporters. Face à cette situation, nous avons pris l'avis des Ivoiriens et ils ont fait des propositions. Bon, je pense qu'il faut encourager les Ivoiriens à aller au terrain. Et puis de deux, il faut faciliter les Ivoiriens à avoir l'accès aux tickets. Voilà, peut-être encore la méthode d'accès aux tickets est un peu difficile. Il faut sensibiliser, il faut expliquer aux Ivoiriens comment il faut avoir le ticket. Et puis il faut aussi être... très regardant sur ceux qui prennent plusieurs tickets pour pouvoir les revendre cher. Ma solution pour que les stades soient pleins déjà, c'est que vu que nous avons un mois de fête, n'est-ce pas, il faut déjà essayer d'alterner le travail. Donc faire ce qu'on appelle les journées, soit peut-être arrêter le boulot à midi pour permettre aux travailleurs de pouvoir quand même aller au stade pour supporter. Encore, il y a les centres de formation qui sont disponibles. Donc, ce sont des joueurs, des apprenants. Donc, ces personnes-là peuvent quand même, on peut les diriger sur le stade. Le Premier ministre et ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Begré-Mambé, a réagi depuis Yamoussoukro, où il a assisté au premier match de la poule C entre le Sénégal et la Gambie. Lors de ses déclarations, le chef du gouvernement a assuré à la population ivoirienne que des solutions seront mises en place rapidement pour remédier aux difficultés rencontrées. Robert Begré-Mambé a affirmé sa détermination à suivre de près la qualité des prestations et a annoncé sa participation à d'autres matchs à Boaké, San Pedro et Korogo. Malagasso. Dans ce quartier de Bondoukou, les populations n'ont pas boudé le premier rendez-vous de la Cannes. Pour la circonstance, un espace a été aménagé avec un écran géant sous l'initiative de Souleymane Bané. Vous savez que la Côte d'Ivoire organise la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une grande fête, c'est une ferveur pour toute la Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons voulu que la population de Bondoukou vive cette même ambiance. Et c'est pourquoi nous avons décidé de créer ce village Cannes pour
faire participer nos populations à cette grande manifestation. Dans les populations présentes qui ont suivi avec beaucoup d'intérêt la première rencontre dans une ambiance festive, saluent cette action qui occasionne la fraternité. Vraiment, nous sommes très très heureux. Depuis 19h, nous sommes ici. On salue le parrain de cette grande cérémonie. Nous sommes venus nous offrir de l'eau à boire, de sucreries, des tricots, des bouts d'oreilles. Même moi, j'ai gagné un bout d'oreille orange, blanc, vert. C'est sur le score de 2-0 en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire que les populations de Malagasso ont regagné leur domicile. Et pour finir, les premiers pas du champion d'Afrique en titre dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire se sont faits sereinement. Opposés à leurs voisins gambiens le lundi 15 janvier à Yamoussoukro, les Sénégalais n'ont pas tremblé et l'ont emporté sur le score sans appel de 3-0. Dimanche, à la veille de la rencontre, le capitaine Kalidou Koulibaly avait prévenu que lui et les siens seraient prêts et sérieux face à leurs cousins gambiens. Entame de Cannes idéale donc pour le Sénégal. Les Lions de la Teranga rassurent et peuvent aborder le choc très attendu de la deuxième journée face aux Lions indomptables du Cameroun le 19 janvier, toujours à Yamoussoukro. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetteinfo.ci.